Salut mon boobies. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a dit le mot qui t'a fait transformer en pain de chat? Je t'avoue que je m'en souviens plus. Peu importe, je suis pas d'humeur moi. Ah bon, oui, pourquoi? Parce que je me suis fait harceler. Harceler par qui? Par Taz le connard. Si tu veux, je peux te faire un flashback. Flashback. D'où tu oses me dire que je suis un attardé mongol, hein? Non, c'est la vérité. Tu veux savoir ce que disent la vérité? Ouais. T'es qu'un grosse merde. End of flashback. Et voilà toute l'histoire. Attends, tu viens de l'insulter de mongol? Bah ouais. Il a une tête de mongol, ce mec! Bah, non, mais c'est ça se fait pas, ce que tu as dit! Mais il fallait bien que je sois froid, ces quatre espèces de couillons! Mais mec, tu sais très bien que quand on est froid, ça peut être blessant, et quand on donne des points de vue, pas forcément, tu as été blessant! Bon, pas les couilles! Je vais me venger contre Taz! Ah ouais, de quelle façon, hein? Avec ma magie, qu'est-ce que tu crois, espèce d'abruti, hein? Je vais lui donner une malédiction. Ou alors, il suffit que tu aies des super-pouvoirs. Par quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fous de ma gueule? J'ai des capacités, mon gars! Pourquoi j'aurais besoin de super-pouvoirs? Bah, tes attaques sont pourries. Comment ça, mes attaques sont pourries? Ultra laser rose, c'est vraiment un attaque qui tue sa mère! Non mais je parle de vrais super pouvoirs, tu sais, comme celle de Superman, celle de Wonder Woman, celle de Green Lantern. Alors là, non, en tout question que j'ai des pouvoirs de Wonder Woman, hein. Je veux pas me faire passer pour une fille, hein. Je croyais que t'étais une... Ta gueule! Bon, ben d'accord, hein. Ce que j'essaie de dire, c'est que tes pouvoirs, ils sont claqués au sol. Mais non, mais tu vas te foutre de ma gueule. Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? L'attaque ultra laser, il est vieux. Rose était vraiment génial. Ok, ce que j'essaie de dire, mon gars, c'est que si tu veux vraiment qu'on te respecte, si tu veux vraiment qu'on dit que tu es le meilleur, il faudrait que t'aies des super pouvoirs qui tuent sa mère. Et de quel argument tu veux que je sois convaincu? Facile, Superman, il a quoi, hein? Mais c'est de la merde, il fait que voler! Il a un corps d'acier, ils sont pas faibles, c'est la kryptonite! Et je te rappelle quand même qu'il a utilisé les rayons laser avec ses yeux, hein? Ouais, bah c'est même pas logique! Tu réfléchis beaucoup trop, hein? Ça, c'est pas faux, honnêtement, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux pas me faire passer pour quelqu'un qui n'a aucune personnalité, puis copier les pouvoirs des autres! Ça, c'est pas vraiment faux ce qu'il a dit en Panthéon Rose, hein. Tu sais quoi? Je vais essayer de créer une potion. Comme ça, tu vas pouvoir avoir des pouvoirs. Et te venger contre Tanzania. On fait ça? Je te préviens, mon gars. Si jamais tu me fais humilier à cause de ton pouvoir de merde, à cause de ton potion de merde, c'est... Je sais qui... Qui pouvait porter comme responsable? Bien entendu. T'es vraiment sûr de toi, Panthéon Rose? Je croyais que tu étais convaincu que tes propres pouvoirs seraient géniaux, hein? Ouais, mais c'est juste pour voir si vraiment je peux vraiment faire confiance à Diabolo. Et après on me dit que je suis un idiot qui a aucun cerveau alors que je sais retenir les noms. Pas de con de rageur, hein? Voilà la première potion. Mais c'est du shampoing! Je te rappelle qu'on n'a pas de budget pour acheter des bocals ou... Enfin bref, voici la première potion. La potion a pour titre... Le pouvoir... De... Super Panthère. C'est même pas foulé comme titre. Attends! Le pouvoir de Super Panthère, c'est très simple. Il suffit de voler... Ah! Comme Superman! Qu'est-ce que je t'avais dit? Ne pas faire des mêmes pouvoirs qu'un super-héros iconique! Tu te fous de ma gueule? Chut!
Laisse-moi finir la phrase. Veux-tu ? Il permet de te faire voler, mais en plus de ça, tu peux utiliser la télékinésie, hein ? La télékinésie ? Ah ! Exactement. Alors, si tu bois la potion, il se peut que tu seras super panthère. Tu peux voler et utiliser la télékinésie. Et après quoi ? Bah, pour le moment, rien d'autre. Comment ça, rien d'autre ? Voler la télékinésie ? Mais c'est même pas suffisant ! Tu veux battre contre Taz ? Ouais. Alors contente-toi ! Tu l'as voulu, tu l'as eu ! Mais c'est toi qui... Oh, et puis merde. Bon, alors... Super panthère à l'action. Je vole, ouais. Mais est-ce que je sais faire une télékinésie, hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te respecte, moi. Tu peux pas faire une telle chose, hein? Ouais. C'est contre toi que je vais utiliser la télékinésie. Ouais. Non. Oh, espèce de con. Je t'ai préparé une potion et c'est comme ça comment tu me remercies, putain d'ingrat. Non. Mais c'est parfait. Taz, je viens à toi. Et même pas un remerciement. Ingrat, va. C'est vrai. Pour tes roses, tu devrais au moins lui remercier, hein. Si t'as fait quelque chose, tu lui dois quelque chose, hein. Merci, Diabolo, pour cette potion. Je suis tellement content que tu fasses autant d'efforts pour moi. Voilà, t'es content? C'est mieux. Il a quand même du bon, lui. Parle pour toi. Ah non, espèce de connard! Panthérose? La dernière fois, ça t'a pas suffi? Eh ben non, parce que j'avais de quoi, j'ai des super pouvoirs! Laisse-moi deviner, est-ce que tu as l'attaque? Trompette! Panthérose qui dit trompette! Non, mieux. Mieux. Est-ce que tu as l'attaque? Mimique. Non, attends. Je crois que j'ai peut-être mieux. L'attaque de l'église? Oui. Attends, quoi? Mais qu'est-ce que tu... Alors, c'est qui qu'on fait le malin, hein? Comment t'as fait pour utiliser ce genre d'attaque? Parce que je suis super potard! Allez, vas-y, prends soin dans ta gueule, sa mère! Quoi? Hey, ou, e, ou, a, i, e, ou, 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 et maintenant, je vais devoir utiliser un objet. Ah, parfait! C'est quoi ça? Oh. Qu'est-ce que... Ça va, mec? Ça va? Oui, je suis quand même écologiste, donc... Ça va, mec? Est-ce que ça va? Ouais. Bien! Alors, comment t'as fait la potion en fait? C'est un secret! Tu sais, je suis comme Panoramix! Je garde des secrets pour faire la potion! Soit. Panthère rose? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Eh putain! Eh!
J'ai perdu mes pouvoirs! Comment ça se fait déjà? Ah, oui, il est vrai que j'ai pas encore la potion pour que le super pouvoir soit illimité, hein. Tu te fous de ma gueule! Tu te fous de ma gueule! Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule! Tu m'as donné un super pouvoir qui n'a un durée illimitée! Je veux un illimité! Je veux avoir un pouvoir qui a un durée illimitée! Oh, et calme-toi, hein. Justement, je crois avoir une idée en tête. Ah bon? Bah oui, exactement. Ah bon, bien sûr, si tu veux abandonner. Non! L'épisode vient juste d'abord de commencer! En fait, il a commencé depuis 10 minutes. Ouais, c'est ça, 10 minutes! Et donc, je veux pas terminer l'épisode comme ça! Alors, t'as intérêt à refaire une autre potion? Il a intérêt à ce qu'elle a duré illimitée! Soit, si tu veux. Bah. Non mais c'est, putain, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Un pouvoir illimité, un pouvoir qui a des limites. Non mais vous prenez pour qui là, dans les mini-justiciers, hein? Bah, il me semble, ouais. N'en rajoute pas! Ah! Voilà, fini. Mec, c'est exactement la même bouteille que tout à l'heure! Bah, et alors? Je te l'ai dit, on est en cours de budget. Alors les cagaboudins, tu peux te les garder, hein. Alors, cette potion, il a pour titre... Le panthère à électricité. Le panthère à électricité? Exactement. Une fois que tu auras bu la potion, ton corps sera entièrement en électricité. Ce qui donne le fait que si jamais on te touche, on sera électrocuté. Et tu peux utiliser l'attaque tonnerre, ou même fatale foudre, ou même électacte, ou même boule éclair, ou boule élec, ou même encore... tu comprends tout, hein. Comprends tout, alors... Super panthère électrique en place! Ta gueule! Le narrateur! Bon, d'accord. J'ai le pouvoir d'électricité, hein? Non, 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 non. Tonnerre! Tasmania me réveille. Tu as oublié de dire merci, mec. Est-ce que je suis vraiment obligé de dire merci chaque fois lorsque tu fais la potion? Bah, ouais. Merci, Diabolo, c'est gentil de ta part, blablabla. Bla, bla. Alors maintenant, il attaque. Par contre, la prochaine fois, honnêtement, je préfère éviter l'attaque, parce que franchement, faire la potion pour lui, ça va, mais m'attaquer comme ça tout le temps en permanence, ça casse les couilles. Salut, bonus! Encore toi? Et tu n'aurais pas un aspect d'électrique pour ça? Exactement! Tonnerre! Attends, maintenant que mon corps est entièrement électricité... Et ça veut dire que... Non, il ne pense même pas. Je t'ai battu. Alors, on abandonne? Je sais pas comment tu as utilisé ces genres de capacités, mais il en est hors de question que je me laisse par un crétin panthère naze. Je suis pas panthère naze, je suis panthère rose. Alors un point de respect. C'est ça. Tu pues la merde, tu pues la merde, tu pues la merde, tu pues la merde. Alors on abandonne? Jamais. Comment ça se fait? Mais c'est vraiment trop impossible! Parce que je suis super panthère électrique! Alors t'as intérêt à faire moi ta grande gueule, espèce de connard! D'accord, j'abandonne. Mais c'est surtout parce que franchement tu es couvert d'électricité et surtout parce que tu fermes ta gueule! Yeah! I'm a winner! I'm a winner! Alors prends-toi ça dans ta gueule, hein! Voilà ce qui arrive si on essaie de faire face à un grand panthère rose! Quoi? Qu'est-ce que... Je suis plus couvert d'électricité? Tu n'es plus tout couvert d'électricité? Oh bah... Non! C'est de la merde! Je me suis fait tamasser par Taz! Et tout ça pourquoi? Parce que je voulais me faire cogner par une poubelle et résultat, j'ai perdu...
peut-être oublié de le dire. C'est que si jamais tu te prends le moindre dégât, surtout par un objet en métal, il se peut que tes pouvoirs d'électricité disparaissent. Non mais c'est pas possible! Il me faut un pouvoir qui n'ait aucun inconvénient! Je t'avoue que là, je peux pas honnêtement. Faire un pouvoir sans inconvénient, ce serait un peu trop facile, tu trouves pas, hein? Ah oui, quand même. Peu importe. Il faut que j'ai des pouvoirs, mais que l'inconvénient soit impossible à apparaître. Je veux que tu me fasses une potion qui est super classe et que les conditions de faire disparaître mon pouvoir est impossible. Donc, fais-le. Et au fait, change de bouteille. Ok. J'espère qu'il m'a écouté parce que sinon ça va mal aller. Et voilà. C'est quoi ça? C'est une potion? Attends une minute. Vanille? Mais je déteste la vanille. Je déteste chocolat et vanille. La nuit est tout pourrie, hein. Hey, tu l'as voulu? Tu l'as eu, hein. Alors, cette potion, c'est la potion magique. Quoi? La potion magique? Genre comme dans Astérix? Ouais, comme dans Astérix. Mais c'est même pas voulu du tout! Attends. Contrairement à la potion magique d'Astérix, il est illimité en termes de temps. Et que le seul point faible existant de la potion, c'est que si jamais, je dis bien si jamais, tu te prends honnêtement... Tu te prends quoi? Laisse-moi finir aussi! Si jamais tu touches le moindre cartouche de jeu vidéo, bah le pouvoir disparaît. Mais j'avais dit impossible! Oui, justement, impossible. Bon, d'accord, si c'est possible, mais voilà, c'est tout ce que je peux trouver comme point faible. Hein. Trouver un point faible impossible à le contacter, c'est genre trop facile, hein. Bah ouais. Peu importe, je dois me contenter de ce que j'ai, hein. Yeah! Allons-y, Taj Mahal. Cette fois, ton heure a sonné. Attends. Oh, j'ai oublié, merci. Non, c'est pas forcément ça, mais tu vas pas me tabasser. Je connais la potion magique. Je sais à quoi ça sert. Pour qui tu prends? Pour un idiot? Bah, tu n'as... J'ai rien dit. Salut! Encore toi? Je sais pas pourquoi, mais ça fait 4 fois que je te croise. Je te promets, si jamais ça se passe encore mal, je vais te mettre directement dans une poubelle. Eh ben, ce sera moi qui je vais te mettre directement dans une poubelle, espèce de connard. Alors, est-ce que t'es prêt pour l'humiliation? Est-ce que t'es prêt pour l'humiliation? Il semble que malheureusement, ce sera à toi. Yes! Ah! Putain, mais c'est plein en plus! Ouais, c'est vrai, j'avais peut-être pas pensé à ça. Oh! Oh! Attention! Shoot dans le Tasmania! Alors le gros Tasmania, t'es même pas capable de battre, c'est ça, hein? T'es pas capable de battre? Je vais te faire un truc. Quoi? Regarde, j'ai tourné. Mon nez noir, espèce d'attardé. Eh ben, tu sais qu'est-ce que je te fais, ton faux nez? Hein? Allez! Tu chantes mal. Ta gueule. Maintenant il est grand temps que j'en finisse avec toi, connard. Qu'est-ce qui s'est passé? Blablabla. Moi, je sais ce qui s'est passé. T'as voulu essayer de jouer au malin
Et je suis presque à parier que t'as perdu ton pouvoir. J'ai pas tapé juste? Non, j'ai toujours mon pouvoir. Regarde. Tiens. Eh bien, vous savez quoi? Comme promis. Chose faite, chose due. Non! Mais il est plein de pouvoir! Eh bien, je ferai en sorte de le mettre, de passer du temps, même si ça prendra du temps. De mettre toi dans un dépotoir. Hours later. Donc, si je comprends bien, t'as échoué. Et qu'en plus de ça, tu es maintenant dans une poubelle. Ouais, ça se voit d'être après vengeance. Libérez-moi! Ça va être vraiment difficile. Et bon, pourquoi pas? Oh! Ah bah ouais, en effet, ça va prendre beaucoup de temps de te libérer, hein. Mais si tu veux, je peux quand même utiliser la potion. Ah non, c'est vrai, merde. Tu as tout bu et donc je serai obligé de refaire, hein. Mais cette potion-là, j'étais obligé de le faire pendant 3 semaines. Quoi? Pendant 3 semaines? Mais attends une minute, je comprends absolument pas. Tout à l'heure, quand t'as fait la potion, ça prenait au moins 2 minutes. Alors en fait, j'ai menti. Ça m'avait pris 3 semaines pour faire la potion magique. Au cas où, si honnêtement, ça tournerait mal avec Panthérose, hein. Oh, ce que j'essaie de dire, c'est que j'étais prévoyant. En faisant la potion magique 3 semaines avant que Panthérose soit... comment dire? Soit dans la merde avec Tasmania. Je vois... je vais devoir refaire la potion, je vais devoir le faire sortir, et ça va prendre 3 semaines. Donc Panthérose, reste bien sage pendant 3 semaines, parce que ça va prendre du temps, hein. J'ai absolument rien compris du tout, hein. Enfin, au moins quelqu'un n'a pas dit boobies dans cet épisode. Boobies, mon amour, je vais te faire l'amour dans les poubelles. Non!